Ici le prophète Joël Casso, le maréchal, l'a déjà noté. Je suis sur Abidjan à cette date du jeudi 18. Jeudi 18, les sons, il est pratiquement 13h51 à Abidjan. Ben, pour une urgence, le choix m'a pourri, si c'est bien passé. Voilà, donc juste échanger avec une famille, tu sollicites notre aide. Madame, je vous écoute. D'abord, vous présenter pour aborder le sujet. Moi, c'est Akwabu Blondin. C'est ma fille, Lou Maria. Depuis un moment, je dis qu'elle a une mouche dans sa poitrine. Et la mouche, la lui parle. Je n'ai pas pris ça aussi. Et à chaque fois, elle me dit, la mouche, là, me dit ceci, la mouche, là, me dit ceci. Je lui ai demandé un jour, comment la mouche, là, s'appelle. Elle me dit qu'il dit qu'il s'appelle. Quand tu lui parles, elle dit attends. Il dit qu'il s'appelle le fils de Satan. Bon, juste là, je pense. Oh, un jour, je lui ai demandé, mais comment tu as eu cette chose-là dans ton cœur? C'est là qu'elle m'a dit qu'elle était à l'école quand elle avait 4 ans. Elle fréquentait juste derrière ici. Et il y a un de ses amis de classe qui lui a donné du pain. Et quand elle a pris le pain, il voulait aussitôt arracher le pain. Elle n'a pas voulu donner le pain et il a mordu. Donc c'est depuis ce jour-là qu'elle a ressenti cette chose qu'elle a mis. Elle est revenue avec un peu d'huile de là-bas, une sainte. Quand elle est venue avec l'huile, elle m'a dit qu'elle allait même venir sur la petite. Je lui ai pas de problème. Quand elle a vu le petit, elle a donné un peu d'huile. Et après ça, elle a commencé à dire qu'elle se sentait pas bien. Elle tremblait. Elle est allée au marché, elle m'a appelé, elle m'a dit maman, viens parce que Marie a dit qu'elle avait fait peur. Elle m'a demandé qu'est-ce que c'est pas. Elle n'arrivait pas à parler, c'est ça? Elle n'arrivait pas à parler. Elle me disait simplement que la mouche dérange, il faut prier pour moi, la mouche va partir. Elle n'expliquait pas ce qu'elle voilà. C'est depuis qu'elle a goûté l'huile, qu'elle a expliqué comment elle a eu ça, et que c'était à l'école depuis 4 ans. Vous savez qu'elle communique beaucoup. Moi, quand je pose des questions, elle ne répond pas trop, mais plutôt elle, parce que avant que je n'arrive du machin, elle a commencé à appuyer pour elle. Mmh. Donc, du coup, elle répond facilement à ses questions par rapport à oui, elle. Parce qu'elle appuie beaucoup à. Voilà. À donc, il faut. Non, mais elle peut parler, je peux poser un peu. Qu'est-ce qui se passe? La mouche fait quoi avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut me dire tout ce que tu as dit à ta papa. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe contre lui? Il parle à la mère. Il n'est pas qui. Il me dit quoi? Il dit, quand tu arrives à la mère, tu attends pas. Il dit, il avait dit que toi tu es bien, tu peux rien lui faire. Comment il est venu? Ok. Oui, maintenant qu'il est chez toi, dans ta vie, là, qu'est-ce qu'il fait? C'est ma fête, bien la fête, elle est fatiguée. C'est fatiguée. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Quand tu dis fatigue. Il donne dans le jour. Il fait comment? Il danse et puis il joue. Il fait comment? La poitrine. Il danse. Il fout. Et puis il dit quoi? Il dit que il va tuer Awa. C'est bon. Quand ils sont partis là-bas, elle m'a dit que Jésus m'a sauvé. Que le jour qu'il était dans l'église là-bas. Oui, mais depuis quand tu as eu ça? Depuis quand tu as eu? C'est depuis 4 ans. Quand tu avais maintenant, t'as quel âge? 6 ans. Ça fait 2 ans que tu as ça. Et l'esprit fait quoi? La mouche fait quoi? Comment tu as contacté la mouche? Je l'ai ressenti. Oui, comment? Comment tu as eu ça? Comment tu as eu ça? Dès le premier jour, c'est passé comment? Comme mon ami m'a mordu la tête, ça est venu. T'as demandé si elle est venue. Dès le premier jour, c'est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Il y a autre. Maintenant qu'elle est venue, elle t'a mordu, c'est pas qu'il est venu dans ta poitrine?
même jour. Et puis il est rentré dans ta poitrine, qu'est-ce que c'est? Il a commencé à bouger, il est fatigué. Comment? Il faut se faire tap, tap. Il faut bien se fatiguer. Comment? Bougez, bougez quand? Il faut se faire tap. Tap, tap, tap. Et puis tu dis quoi? Et puis il dit qu'il n'a pas arrêté de le faire. Et puis, le jour que elle est venue maintenant, c'est ça, elle m'a demandé, on dit à quelque chose, je suis là, on dit à moi sur quelque chose, et elle a dit oui, elle a commencé à l'expliquer. Et puis elle m'a donné, et elle a mis sur moi. Elle a pourquoi? Mis sur moi. Quoi? Oui. Mmh. Et puis, quand... Quand elle m'a mis l'huile sur moi, c'est ça, elle a commencé à l'expliquer. Mais t'as expliqué quoi? Elle a mis l'huile sur toi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quand l'huile, elle a versé l'huile sur toi, et que tu as bu l'huile? Elle a ressenti qu'elle était mal. Qu'est-ce qu'elle a expliqué? T'as eu froid après, hein, t'as eu mal. Tout ce que tu dis quand je venais, il t'a parlé. Ça, c'était pas parti. C'est ça, non? Il est revenu. Il est revenu. Maintenant qu'elle a mis l'huile là sur toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, elle a commencé à expliquer. Elle est tombée malade, je ne sais pas comment. Oui, qu'elle a mis l'huile, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que. Non, elle, sa mère, elle est tombée. Donc, quand elle a mis l'huile, ouais. Moi, je suis venue trouver qu'elle était en train d'expliquer les choses. Oui, mais elle n'a pas eu du froid, elle n'a pas eu... Elle tremblait. Elle tremblait. Elle dit qu'elle ne tient pas sur ses pieds. C'est ça? Oui. C'est ça? Même hier. Hier, elle est passée la nuit, elle a dit qu'elle devait sentir partout. Ah, absolument. Donc, elle ne tient pas. Et elle a peur quand elle est seule. Avant, elle s'est mariée seule. Elle a peur qu'on a mis le ciel. Voilà, depuis qu'elle vit dans la maison, elle a peur. Hier, elle a dit qu'elle voyait la chose. Le visage est rouge. Un côté rouge, un côté blanc. C'est la nuit verte. C'est la nuit verte. La nuit verte. Mais qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il te fait à toi? Je crois. Il me fait peur. Il dit quoi? De tuer les gens? Je fais quoi? Il m'avait dit de ne pas tuer à l'air de fusée. Le tueur, il a refusé. Comment il te parle? Il ne parle pas, ma bouche. Il dit que si toi tu viens, il va te tuer aussi. Et puis il dit que si lui, il a vu Jésus, Jésus peut rien le faire, son papa est là. Tu vois qu'il ment. Il ment beaucoup. C'est menteur. Son papa c'est qui? Hein? C'est Satan. Donc Satan et Jésus, qui moi est ce camarade? Qui moi est ce camarade? C'est Jésus. Ah. Donc tu vois qu'il est un menteur. Qu'est-ce que tu as dit à toi quand tu as reçu lui? Mais en temps avant ça, elle ne parlait pas. Hein? Et quand j'ai mis lui la sur elle, elle m'a dit, depuis que tu m'as donné, il a eu la moitié tremble. Donc quand elle m'a dit ça, elle a fini, j'ai lui été là, après elle a vu. Elle est venue sur elle encore. Donc quand elle est déjà, ça prouve déjà qu'il y a déjà une initiation. C'est une initiation, la société qui est en train de se développer. Mais il faut qu'elle vienne impérativement à divorce. Ici on ne peut pas, puisque moi je suis juste en. Parce que je ne peux pas vraiment faire la chose, mais vas-y, on doit régler la chose. Demain, on a eu de l'idée. Nous, on voyage demain. Avec elle? Non, pas avec elle. Avec qui? Je voyage avec la femme. Pourtant, la semaine prochaine, on n'a même pas le temps. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas les fêtes. Non, sans votre... sans...